C'était l'une des figures majeures de la révolution des œillets au Portugal, Otelo. Sarayava de Carvalho est décédé ce dimanche à Lisbonne. Il avait 84 ans. Otelo, comme l'appellent les Portugais, est considéré comme le cerveau militaire de la révolution qui a mis fin à 40 ans de dictature salazariste. Pour le Premier ministre António Costa, sa capacité stratégique et opérationnelle ainsi que son engagement et sa générosité ont été décisifs pour le succès du mouvement. Après la révolution, la popularité d'Otelo lui fait espérer un rôle politique de poids. Il se présentera deux fois aux élections présidentielles, en vain. Cet anticonformiste affiche une personnalité controversée. En 1987, il est condamné à 15 ans de prison pour complicité morale dans des attentats d'extrême gauche. Il sera finalement amnistié en 1996.